petit Dibo, ici Divi57 pour un nouveau épisode sur Metro Last Light Redux. Aujourd'hui, épisode 29. Allez, chapitre police. Ouais, elle est où la police? Non, je rigole. Il n'est pas seul. Ouais, ouais. Ce n'est pas le dernier. Je comprends son excitation et son désir de voir les autres plus vite. Ouais. De les libérer et de les réveiller. Ouais. Mais il a accepté d'attendre encore un peu. Il va d'abord essayer de nous aider. Si on parvient à la conférence, le sombre pourra ouvrir les pensées de Mosgvin ou de Corbuck lui-même. Ok. Et peut-être leur faire arrêter cette folie. C'est notre dernière chance. Artyom. Allez. Khan nous avait déjà dit pour Okabroska. Ouais. Et on en a parlé avec Mosgvin. Ouais. Il a même pas essayé de nier. Ouais, ouais. Il a dit que leur escouade de défense chimique s'entraînait dans les environs et que malgré les sacrifices, l'escouade avait réussi à contenir l'épidémie. Ok. Sinon, elle se serait répandue dans tout le métro. Qu'est-ce que je peux répondre à ça? Moi aussi. Ouais, moi j'avance. J'avance. Mais colonel, c'était Lesnitsky, leur agent qui avait volé le conteneur du virus. Ah bah, bah vas-y, pousse-moi. Juste avant l'épidémie. Fermez la porte. Et alors, y a aucun témoin en vie à part Artyom. Qui croirait l'ordre? Ouais. Nous avons des 6 maintenant. Ouais. C'était nous qui avions répandu le virus. Mais les rouges ont tenté d'entrer sur le territoire de Hansa. Mosgvin aurait pu être... Qu'est-ce qu'on peut faire? Allez, bah on avance déjà. Oui, Mosgvin s'est préparé à la guerre. Mais après que Police ait suggéré de partager le contenu de D6, il pourrait accepter la paix. Et on doit tout faire pour que ce traité soit signé. Mosgvin, allez, allez. Quelle différence il peut faire? Ce n'est qu'un pantin de Corbut. Et pendant qu'il parle... Les forces de Corbut vous en servent. Ouais, ouais, ouais. Vous scellerez le traité de paix avec votre sang. Et quoi? Vous avez une meilleure idée? Allez, avance. Vous avez amené ce singe ici. Oui, chef. Et maintenant, c'est fini ces histoires. On va à la chambre du conseil. Ouais, ouais, vas-y. Suivez-moi. Ok, je te suis. Demande de rapport, colonel. Refusé. Allez. Envoie urgent au commandant de la sécurité. Arrête de me pousser, toi. Alerte maximum. Dites à Korneyev de poursuivre avec... Bon, il sait ce qu'il a à faire. Ouais. Là. D'accord, tout le monde me pousse. On calme. Bon sang. Allez. Que ça marche. On verra. Ouais, d'accord. Ouais, d'accord. Bon, bah, vous avancez, là. Allez, allez. Et pour résumer le processus officiel, j'appelle le leader de la ligne rouge de camarade. Allez, allez. Camarade. Et je n'hésiterai pas à dire le mot. Alors. Nous voulons aussi... Bon, on l'attend. Prépare-toi, Arthur. Reste okay. Près du petit. Tu restes à côté de moi. Que règne la... Allez. Au nom de nos enfants. Quel menteur. T'as perdu la tête. Ouais, t'as perdu la tête. Je sais ce que je fais. Il faut me faire confiance. Juste pour cette fois. Ah bon, parce qu'avant, on pouvait pas te faire confiance. Garde, emmenez cet homme. Rangers, reculez. Artyom, petit, à vous de jouer. Allez. Je m'approche. Allez. Allez, allez. N'aie pas peur, n'aie pas peur. Ok. D'accord. Que se passe-t-il? Oh la vache. Ok. À mon avis, je dois avancer. Je peux même pas courir. C'est fort dommage, hein, les petits démons, ne pas courir. J'espère qu'il est pas trop long, ce putain de couloir. D'accord. J'avance, j'avance, hein, j'avance. Allez. Ok. J'avance, j'avance toujours. Allez. Ok.
Mosquine. Il faut que tu m'aides sur ce coup. D'accord. Sinon, des détails gênants pourraient ressurgir. J'ai entendu une conversation entre ton frère et son conseiller. Au sujet Maxime, mon frère. Je suis heureux. La vache. Cette dispute. Je vais ouvrir tous les portes. Tu ne dis rien. Pourquoi tu me regardes avec tes grands yeux? Ah, celle-là, elle est fermée. 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 Ok. Fermée. La vache. Fermée. Celle-là, on sait pas. Celle-là aussi. Celle-là aussi. Ok, je vais y aller. Pardon. Je suis désolé, mon frère. Bizarre. Je ne saurais jamais pardonner. Peut-être trouver la solution. Mais je suis. J'en ai marre d'avoir les portes fermées. Ah, d'accord. Il s'est passé quoi? Ok. Est-ce que... Ouais. Est-ce que j'ai dit ça tout fort? Ouais. Ah, je vois. Allez. Alors, tu m'as donné quelque chose. Comme ce que j'ai donné à mon frère. Eh ouais. Oui. J'avoue. Je l'ai empoisonné. Ah l'enfoiré. Mais Corbett. Je suis idiot. Eh ouais. Je croyais qu'il voulait me sauver. Et il s'est emparé du pouvoir. Ouais. Il m'a pris à la gorge. Et il s'attaque à D6 maintenant. Ouais. Et il y a ce virus. S'il tombe aux mains de Corbett. Ouais, ouais. C'est la fin. Ouais, bah c'est la fin pour toi. Impossible, tête coco. Rappelez les troupes. Arrêtez-les. Allez. Gagnez du temps pour passer un marché. Rien faire ici. Chut, leader. Allez, sur le quai. De sale. Pour l'instant, je perdrai pas des 6. Ouais. Suivez-moi. Ok. On va te suivre. D'accord. Il est parti. Il a fait ce qu'il a pu. Maintenant, il a rejoint les siens. Je ne le jugerai pas pour ça. Ce qu'il reste de l'humanité est en train de s'entretuer dans un dernier combat. Cette guerre n'est pas la sienne. J'espère qu'il a pu nous pardonner. Moi, pour ce que j'ai fait à ses frères et sœurs, à sa mère et à son père. Et ben voilà les petits démons, la vidéo étant terminée, j'espère que t'as bien aimé. Si t'as bien aimé, tu mets un pouce, voir la commenter, ça fait extrêmement plaisir. N'oubliez pas de me suivre sur tous les réseaux sociaux. Moi, je vais vous laisser. À bientôt. Allez. Il y aura bien un petit chemin par ici, moi. Bah, j'ai entendu gueuler depuis tout à l'heure.